Greetings to all of our friends around the world and welcome. Bonsoir à tous, bienvenue encore une fois à Kourou, le berceau de la famille Ariane. Nous sommes en direct pour le vol Ariane 239 et nous sommes heureux de vous accueillir pour ce lancement double. Ce soir, nous nous préparons à lancer deux passagers pour deux amis de longue date. Mais commençons par écouter Stéphane Israël, président exécutif d'Ariane Espace. Chers clients et partenaires, mesdames et messieurs, Ariane Espace a le plaisir de vous accueillir de nouveau au Centre spatial guyanais où nous avons beaucoup travaillé depuis ces dernières trois semaines pour nous permettre de réaliser cette nouvelle mission d'Ariane 5, la cinquième de l'année avec notre lanceur lourd. Nous sommes revenus sur la bonne voie. Pour cette mission, nous allons lancer deux satellites importants pour nos clients et partenaires. Intelsat 37E pour l'opérateur américain Intelsat. Le satellite a été fabriqué par notre partenaire de toujours, Boeing Space Systems. BSAT 4A pour l'opérateur japonais BSAT. Cette charge utile a été construite par un autre partenaire de toujours, Space Systems LORAN. Merci à Intelsat et BSAT pour votre confiance. Ariane 5 est maintenant sur le pas de tir après avoir été transféré hier. Toutes les opérations liées à la chronologie finale se déroulent parfaitement. Nous serons en position de lancer à 18h47, l'heure d'ouverture à Kourou de la fenêtre de lancement, qui dure 38 minutes. La performance globale demandée au lanceur pour cette mission est de 10 tonnes et 838 kg. Comme vous le savez, le décollage intervient 7 secondes après le H0, à l'allumage des deux propulseurs d'appoint. Ariane 5 se dirigera vers l'est pour séparer les satellites sur une orbite elliptique inclinée à 6 degrés par rapport au plan de l'équateur. L'altitude du périgée sera de 250 km et celle de l'apogée de 35 706 km. Intelsat 37E sera séparé en premier 29 minutes et 48 secondes après le décollage. BSAT 4A sera ensuite séparé 17 minutes et 25 secondes plus tard. Notre lancement est imminent. Allez Ariane 5, allez Intelsat 37E et BSAT 4A et bien sûr, appréciez le spectacle. Il reste un peu moins de 12 minutes avant le décollage et tout se passe bien. Comme d'habitude, nous sommes en direct depuis le centre de contrôle Jupiter, qui est le centre névralgique au cœur de la base spatiale ici à Kourou. Et nous attendons avec impatience le décollage, comme vous d'ailleurs. On va bientôt voir à l'écran le panneau des verts, cela devrait apparaître très prochainement. Il s'agit d'un résumé en temps réel des différents services de lancement qui sont fournis par le centre spatial. Voilà, vous les voyez à l'écran, à la droite de l'écran. Et nous les vérifions en permanence durant cette première partie de la mission avant le décollage. Et comme vous le voyez, tout est au vert et s'il y a un problème, il y aura un rouge qui apparaîtra. Ariane 5 est le lanceur lourd de la famille Ariane. Il est conçu pour emporter les plus gros satellites et comme ce soir pour les lancements doubles. Ariane 5 a volé pour la première fois en 1996. Aujourd'hui, le lanceur est devenu le symbole de l'Europe spatiale, continuant sur la lancée de ses prédécesseurs, Ariane 1, 2, 3 et 4, depuis 1979. Regardons maintenant le lanceur d'un peu plus près. Alors, si vous ne connaissez pas Ariane 5, sachez qu'il y a deux versions. La version que l'on utilise ce soir mesure 54 mètres de haut. Elle est composée de deux parties, les composites, donc il y a un composite inférieur et un composite supérieur. Le composite inférieur comprend l'étage principal et les deux EAP, et le composite supérieur comprend les deux satellites, la case à équipement, et il utilise un moteur unique, et on les décrira en cours de mission. Vous voyez à l'écran les deux satellites avec Intelsat 37E en position haute, c'est le satellite le plus lourd qui sera séparé en premier, et en dessous BSAT qui sera séparé à 47 minutes et 14 secondes. La chronologie se passe bien. Il reste un peu moins de 10 minutes avant le décollage de nos deux satellites. Et lorsque l'on parle de décompte final, ce n'est pas simplement 3, 2, 1, décollage. C'est une des parties les plus complexes de la campagne de lancement à Jupiter. Nous nous trouvons actuellement, nous recevons des informations de toute la base qui sont résumées donc, sur les panneaux des verts. Et
Au centre de lancement, les équipes travaillent pour effectuer toutes les dernières opérations avec pas mal de pression, comme vous imaginez. Vous avez vu à l'écran les acteurs clés de la mission, la cellule de vol d'Ariane Espace, dirigée par Luce Fabriguette, et à ses côtés, Roland Lagier, directeur technique. Ce sont eux qui prennent les décisions en cas d'imprévu, et vous les verrez probablement au téléphone en train d'échanger avec leurs équipes ici au CSG ou en Europe. Parlons maintenant un peu de la mission. Que va-t-il se passer dans quelques minutes? Eh bien, après le décollage, vous verrez le lanceur s'élever verticalement pendant 13 secondes, puis se diriger vers l'est, au-dessus de l'Atlantique. Il y aura séparation des EAP 2 minutes et 22 secondes après l'allumage, puis séparation de la coiffe à une altitude de 111 km avec une vitesse de 2,3 km par seconde. À 9 minutes, l'étage principal sera séparé, retombera dans l'Atlantique. C'est l'étage supérieur qui prendra le relais jusqu'à la séparation des satellites qui se produira à une vitesse de 9,3 km par seconde, la vitesse maximale. Intelsat 37E sera séparé à 29 minutes et 48 secondes après le décollage, puis le SILDA, c'est-à-dire le système de lancement double qui permet d'emporter un deuxième passager, sera séparé. Le composite sera orienté vers la position demandée par BESAT et BESAT 4A sera séparé à 47 minutes après le décollage. Il reste 8 minutes. Il s'agit de l'avant-dernier lancement Ariane 5 de l'année. Le lanceur attend sur le pas de tir. La météo est bonne. Il y a eu un peu de pluie ce matin vers 8h30, mais tout va bien. Et le point météo d'hier soir a montré que les conditions étaient bonnes. La visibilité devrait être excellente. On a une fenêtre de tir ce soir de 33 minutes avec une durée de mission totale de 47 minutes. À l'écran, vous voyez le directeur de mission, Didier Saïd, qui travaille avec la directrice des opérations, la DDO, Fleur Lefebvre, que vous voyez à l'écran. Et vous l'entendrez également, puisque c'est elle qui fait les annonces clés durant la mission. Elle va bientôt annoncer les 7 minutes. À tous de DDO, attention pour la séquence finale lanceur. À tous de DDO, rouge ensemble de lancement. Vous avez entendu la DDO annoncer un rouge que vous voyez à l'écran. La chronologie est donc arrêtée. Comme vous voyez, il y a une interruption momentanée du décompte. À tous de DDO, arrêt du décompte suite à un rouge, ensemble de lancement. Que tous les moyens restent prêts pour la reprise de la chronologie à H0 moins 7 minutes en cas de retour au vert. So the DDO has said that we have a momentary hold in the countdown. Vous avez entendu la DDO annoncer cette interruption momentanée, mais les équipes se tiennent prêtes pour pouvoir reprendre dès que possible. Nous en avons parlé auparavant, donc nous avions le panneau des verts, et lorsqu'un rouge apparaît, c'est un petit peu comme un feu rouge ou un panneau stop. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tout simplement, on s'arrête. C'est une procédure parfaitement normale qui est prévue. Et les équipes effectuent les vérifications nécessaires pour voir quel est le problème et le résoudre. Et dès que le problème est résolu, tout reprend comme prévu. Donc, ne partez pas, attendez avec nous. À tous de DDO, suite au retour au vert de l'ensemble de lancement, le nouvel H0 visé est 21h56 TU. Le TD redémarrera à 21h49 TU.
À tous de DDO, attention pour la séquence finale, lanceur. Top page 0, moins 7 minutes, reprise du temps des comptes. All right, you see, we're back in business. We've gone from red. À tous de DDO, le nouvel âge zéro visé est à 21h56 TU, soit 18h56 local. We've gone from red back to green. Whatever the problem was, didn't vous le voyez, tout est redevenu normal. Le problème n'aura pas duré longtemps. Et donc, la séquence synchronisée vient de reprendre, donc les 7 minutes avant le décollage. Il s'agit des derniers moments avant le décollage. Une série d'opérations complexes se déroule pour que le lancement puisse avoir lieu. Et je vous propose de découvrir ensemble un film sur la campagne de lancement. La phase initiale de la campagne de lancement a débuté le 18 juillet dans le bâtiment d'intégration avec l'assemblage des étages du lanceur, suivi des vérifications électriques et pneumatiques. Après acceptation technique, le lanceur a été transféré sur sa table de lancement au bâtiment d'assemblage final le 14 août. Le satellite Intelsat 37E est arrivé en Guyane par Antonov à l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué. Intelsat 37E a été installé au S5C Nord pour débuter sa phase de préparation au lancement. Par la suite, le satellite a été transféré au bâtiment de remplissage S5B où les équipes de Boeing ont procédé à son remplissage. Le satellite BSAT-4A est également arrivé en Guyane par Antonov à l'aéroport de Cayenne-Félix-Éboué. BSAT-4A a été de son côté installé au S5C Sud pour débuter sa phase de préparation au lancement. Par la suite, le satellite a été transféré au bâtiment de remplissage S5A, où les équipes de SSL ont procédé à son remplissage. Les opérations combinées entre le satellite et le lanceur ont débuté à J-11 par le sanglage d'Intelsat 37E sur son adaptateur de vol au S5B. Le satellite a été ensuite transféré au BAF pour être intégré d'abord sur le SILDA, puis encapsulé par la COAF et enfin intégré sur le lanceur avec le composite supérieur. BSAT-4A, de son côté, a démarré les opérations combinées avec le lanceur à J-9 au S5A par le sanglage sur son adaptateur de vol. Le satellite a ensuite été transféré au BAF pour être directement intégré sur le lanceur, puis être encapsulé par le composite supérieur à J-6. La préparation finale du lanceur pour ce vol a consisté à l'encapsulation de la charge utile et sa mise en place sur le lanceur. L'armement pyrotechnique du lanceur a été réalisé vendredi dernier, juste avant la revue d'aptitude au lancement, qui a donné l'autorisation du transfert en zone de lancement. Les installations au sol et à bord du lanceur ont été mises en configuration de vol et nous terminons la chronologie finale avant le décollage. Un grand merci à tous les membres de l'équipe opérationnelle pour leur effort et contribution qui ont permis un déroulement nominal de cette campagne. Joshua Jample back in the booth. Just a word, a final word on the launch campaign. Chaque campagne de lancement est unique. Les équipes changent et au cours de chaque campagne, il y a des anomalies différentes, des besoins différents, même si les procédures sont parfaitement standards. Vous avez vu encore une fois à l'écran le panneau des verts dont on a parlé. Il s'agit donc du résumé en temps réel de toutes les activités ici sur la base. Et comme vous voyez, tout est de nouveau vert. Il y a 1700 personnes qui travaillent ici au Centre spatial guyanais. Vous avez vu des images de Jupiter ici même, mais il y a d'autres sites où les équipes travaillent, comme par exemple le centre de lancement, où les équipes travaillent sous la direction du chef des opérations ensemble de lancement, Clausel, que vous avez vu à l'écran. Et actuellement, il y a deux équipes qui travaillent au centre de lancement. L'une est responsable des opérations au sol et l'autre est responsable de l'état de préparation du lanceur. Le COEL dirige l'une de ces équipes. Il se coordonne avec le contrôle de mission. Il donne l'autorisation finale pour le lancement. Et lorsque tout est prêt, c'est lui qui valide l'entrée en séquence synchronisée, 7 minutes avant le décollage, ce qu'on vient de voir. Il y a donc une centaine de personnes qui travaillent actuellement au CDL, au centre de lancement, pour effectuer les dernières vérifications. Il reste un peu moins de 2 minutes 30 avant le lancement de
d'Ariane 5. Et ici, à Jupiter, les invités, les VIP, vont sortir très bientôt sur les terrasses d'observation. Il y a deux terrasses de chaque côté du bâtiment. Et de ces terrasses, on peut voir le pas de tir. Le lanceur survole ensuite le bâtiment Jupiter. La vue est fantastique. Ici, à l'écran, vous voyez les bras cryo au milieu du lanceur, avec l'hydrogène liquide à gauche et l'oxygène liquide à droite. Le rôle de ces bras cryo est d'alimenter les réservoirs de la partie supérieure en ergol. Et vous verrez ces bras se replier 7 secondes avant l'allumage. C'est l'une des dernières choses que l'on voit. Et c'est pour cela que je voulais vous en parler. Vous les voyez ici au milieu du lanceur. Le point météo, juste avant midi, a autorisé le remplissage des deux étages avec l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide. Il reste 1 minute 20 avant le 9e lancement de l'année pour Ariane Espace. Nous allons entendre la DDO. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. 1 minute mark, 60 seconds coming up. Top H0, moins 1 minute. Vous venez d'entendre la DDO annoncer la dernière minute. Cela nous donne l'occasion de saluer nos amis à Intelsat à Washington, nos amis de BSAT à Tokyo, les équipes de Boeing et de SSL à Los Angeles et à Palo Alto, et ici en Guyane, au site de Cayenne, Sinnamary et Kourou, à nos partenaires industriels l'ESA et le CNES, et à vous tous qui nous suivez sur Internet. Profitez du spectacle et nous allons vous laisser écoutez la DDO annoncer les dernières secondes avant le décollage et vous verrez les bras cryo qui s'ouvrent dans les derniers moments. À tous de DDO, attention pour les décomptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage des deux EAP et décollage Ariane 239. Les paramètres à bord sont corrects. And as the DDO calls out that all is... Vous avez entendu la DDO annoncer que tout était correct et vous avez donc vu Ariane 5 s'élever dans un nuage de feu en emportant ses deux nouveaux satellites. La trajectoire est nominale, tous les paramètres à bord sont normaux. Ce sont les EAP qui fournissent 90% de la poussée actuellement. Le lanceur a une masse de 776 tonnes au décollage et pour pouvoir s'arracher à l'attraction terrestre, il faut énormément de poussée. Le lanceur consomme 5 tonnes de carburant par seconde, 2,5 tonnes dans chaque EAP. Et l'étage principal consomme 300 kg par seconde. Tous les paramètres à bord sont normaux. Ariane 5 suit le programme de l'ordinateur de bord qui donne tous les ordres, y compris la séparation des étages que l'on attend très bientôt. Nous sommes dans la première des quatre phases de vol et nous décrirons chaque phase de vol au cours de la mission. Nous sommes dans la première phase. La propulsion est correcte, la trajectoire est nominale. Vous voyez les images magnifiques. Donc l'étage principal et les deux boosters fonctionnent. Les EAP vont consommer les 240 tonnes de carburant en 2 minutes. Le pilotage est calme. Il y aura séparation des EAP. La première phase de vol utilise des ergols cryo et solides, donc un mélange. La propulsion cryogénique présente certains avantages. Elle est plus précise, elle peut être allumée et éteinte. Les moteurs peuvent fonctionner plus longtemps. Les lanceurs Ariane 1 à 4 ont construit leur succès sur le carburant solide et non pas sur les ergols cryo. Vous voyez à l'image, donc, les EAP. Séparation des deux EAP, la trajectoire est nominale.
Voilà, vous avez entendu la DDO confirmer l'extinction et la séparation des EAP. Ce sont les deux points orange de chaque côté. Et au milieu, en blanc, c'est le lanceur qui continue sa trajectoire. Les EAP vont retomber à 500 km d'altitude sur une nominale. Ils vont retomber dans une zone délimitée. La Guyane a été choisie en partie pour cette ouverture sur l'océan et les lancements ne présentent aucun danger pour la population locale. Et on en reparlera un peu plus tard. Nous cherchons à atteindre une vitesse d'environ 9 km par seconde pour séparer les satellites. La trajectoire est nominale. Vous voyez, c'est la vitesse en bas à droite de l'écran avec l'altitude en bas à gauche, plus de 100 km. We're getting close to separation of the fairing. There we are. Séparation coiffe, paramètres à bord normaux. Vous venez d'entendre la séparation de la coiffe qui est déclenchée par deux systèmes pyro. Vous voyez à l'écran la demi-coiffe qui retombe. On peut séparer la coiffe maintenant. Parce que nous sommes sortis des couches denses de l'atmosphère, à plus de 100 km d'altitude, donc il n'y a plus de frottement, il n'y a plus de chaleur qui pourrait endommager les passagers, et on se débarrasse également de la coiffe afin de maximiser... La propulsion est nominale. Afin de maximiser les performances du lanceur. On a parlé plus tôt de la chronologie, qui était un processus extrêmement complexe, et cette chronologie a commencé il y a 11 heures. La chronologie a commencé avec les vérifications des systèmes électriques il y a 10 heures, puis remplissage de l'étage inférieur avec le remplissage en ergol liquide, remplissage de l'étage supérieur. Le remplissage de l'étage supérieur, il y a 3 heures. Ariane 5 est le lanceur lourd de la famille, avec les deux autres membres de la famille Ariane, Soyouz pour les missions moyennes et Vega pour les missions d'une tonne environ. Avec sa famille de lanceurs, Arianespace est la référence qui est capable de lancer toutes les masses sur toutes les orbites à n'importe quel moment. Arianespace est partie intégrante du programme spatial européen avec ses partenaires de l'Agence spatiale européenne, l'ESA et le CNES. Et ils sont tous présents ce soir aux côtés des clients. Arianespace est responsable des opérations de lancement pour les trois lanceurs ainsi que de leur commercialisation et du programme Ariane. L'ESA finance les nouveaux programmes et le CNES est chargé de la coordination de toutes les activités du centre spatial. Tous les paramètres à bord sont normaux. Le bâtiment Jupiter est divisé en deux. Il y a d'un côté les invités et les VIP, et de l'autre côté, les opérationnels. Le centre spatial guyanais, le port spatial de l'Europe, a été certifié ISO 14001 en 2004. Ce qui signifie que ces activités respectent les normes environnementales. Et cela couvre tout ce qui se fait ici au CSG, les ensembles de préparation des charges utiles, les bancs d'essai pour les EAP et toutes les installations. Il reste 3 minutes de propulsion de l'étage à propulsion cryotechnique. On va bientôt voir une rediffusion du lancement. Vous pourrez revoir ces images magnifiques. Voilà la rediffusion. Vous voyez le lanceur qui s'élève. Ça s'est produit il y a un peu plus de 6 minutes et nous devrions voir d'autres rediffusions puisque nous avons des caméras qui sont réparties sur l'ensemble des sites d'observation. Le site d'observation le plus proche s'appelle Toucan, Toucan comme l'oiseau. C'est en général là que vont les VIP. La trajectoire est nominale, la propulsion est correcte. Vous avez entendu la DDO annoncer que tout se passait comme prévu. Nous sommes dans la deuxième phase propulsée. Il reste 2 minutes de propulsion de l'étage principal cryotechnique. Tout va bien et la trajectoire d'Ariane a été conçue pour être suivie depuis le sol. Le lanceur envoie des signaux de radar et de télémesure au sol. Il y a un réseau de stations qui suivent le lanceur. Toutes les données, tous les paramètres sont envoyés à ces stations.
Le pilotage est calme. Ces données, qui concernent plus de 1500 paramètres, sont collectées et sont transmises à ces stations sol chaque seconde. Tout est enregistré. Tout est enregistré tout au cours du lancement. Et vous voyez à l'écran les différentes stations de télémesure, donc Galio, ici à Kourou, juste derrière nous. Vous voyez le point blanc qui se déplace. Acquisition de la télémesure lanceur par la station de Natal au Brésil. Et vous avez entendu donc la DDO annoncer l'acquisition par la station de Natal au Brésil. C'est une station qui est opérée par les forces armées brésiliennes pour le CNES dans le cadre d'un accord avec l'ESA. Cette station assiste à l'extinction de l'EPC et à la séparation. La trajectoire est nominale, il reste moins d'une minute de propulsion de l'étage principal cryotechnique. Grâce à ces stations, les clients reçoivent les données sur la charge utile. Certaines des données sont exploitées en temps réel, d'autres sont collectées et analysées plus tard pour analyser les performances du véhicule. Et un examen complet est effectué une semaine après la mission. Donc vous pouvez imaginer la richesse des informations dont dispose Arianespace, puisque toutes ces informations remontent au premier lancement d'Ariane 1, la veille de Noël, en 1979. On attend la confirmation de l'extinction de l'EPC. Vous verrez à gauche de l'écran la tuyère qui s'éteint. Voilà. Fin de propulsion de l'étage principal cryotechnique et séparation de l'EPC. Ces trois ordres ont été donnés à l'image de l'étage supérieur cryotechnique. Les trois ordres ont donc été donnés par l'ordinateur de bord. Vous voyez encore une fois des images de caméra embarquées. Et nous sommes désormais dans la troisième phase de vol propulsé avec le moteur de... La propulsion est nominale. Avec le moteur de l'ESA qui va fonctionner jusqu'à 25 minutes, c'est-à-dire pendant 16 minutes environ. La mission de cet étage est d'emmener les satellites à leur point d'injection, de les positionner pour la séparation et de les séparer, de les placer sur orbite. Il s'agit là du rôle de propulsion, mais il y a également un deuxième rôle dont on reparlera pendant la phase balistique. Tonight, Ariane Space Flight Number 239. La trajectoire est parfaitement nominale. Il s'agit ce soir du vol Ariane 239, Intelsat 37E et BSAT-4A. Avec un lancement assez standard ce soir pour deux satellites de communication. Mais au cours de son histoire, la famille Ariane, avec Soyuz et Vega, a lancé tout type de missions vers toutes les orbites. We have another film. Découvrons maintenant ensemble. Nominal de l'étage supérieur cryotechnique et pilotage. Découvrons maintenant ensemble BSAT 4A. Le cinquième vol Ariane de l'année emportera en position basse BSAT 4A. Ce satellite a été conçu et construit par SSL pour le leader des opérateurs satellites japonais, BSAT. SSL est également notre interlocuteur direct pour les services de lancement, car BSAT 4A sera mis sur orbite dans le cadre d'un contrat clé en main entre BSAT et SSL. Arianespace a lancé tous les satellites BSAT depuis la création de cet opérateur japonais, ce qui illustre la confiance de BSAT pour nos services de lancement et nous en sommes fiers et honorés. BSAT 4A est construit à partir de la plateforme 1300 de Space Systems Loral, une plateforme extrêmement fiable. Il s'agira du 64e satellite SSL mis sur orbite par Arianespace et nous en avons trois autres dans notre carnet de commandes. Nous voudrions remercier BSAT et SSL de leur confiance et nous vous souhaitons une bonne mise à poste. À bientôt! On a parlé des deux systèmes de propulsion avec les ergols cryo qui sont plus efficaces que la poudre qui est utilisée dans les boosters. Nominal, le pilotage est calme. La poudre sert à s'arracher de l'attraction terrestre et
Les tâches principales cherchent principalement à acquérir une énergie cinétique, c'est-à-dire de la vitesse. Une fois qu'on est sorti de l'atmosphère, il n'y a plus de frottement, on peut se concentrer sur la poussée. Alors que les ergols cryo permettent plus de précision et d'orientation du lanceur. Ils sont également réallumables, ce qui est le cas pour l'autre version d'Ariane, pas celle que nous utilisons ce soir. Un autre avantage de la poudre est qu'elle ne s'évapore pas, au contraire des ergols cryo, et la poudre est également moins chère. Donc on prend en compte la performance, la sécurité, le coût pour choisir le système. Le Soyuz. Soyuz utilise du kérosène et du LOX. Les Russes et les Américains utilisent ce système, mais les Européens préfèrent les ergols cryo. Intelsat est arrivé en août en Guyane pour les vérifications ont été effectuées. BSAT est arrivé un petit peu plus tard. Découvrons maintenant ensemble Intelsat 37E. Intelsat 37E est le quatrième satellite de la série EPIC à être lancé sur Ariane après Intelsat 29E et 33E, tous deux lancés l'an dernier, et Intelsat 32E plutôt en 2017. Il est le 59e satellite lancé pour Intelsat par Ariane. Après le lancement de SES-15 en mai, un satellite de la série Boeing 702SP et de Viasat 2, lancé en juin et appartenant à la famille 702HP, nous lançons maintenant un 702MP. Ceci illustre parfaitement l'adaptation de la gamme de lanceurs Ariane Espace aux différents besoins du marché. Intelsat 37E desservira la région de l'océan Atlantique pour l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe, ce qui donnera à nos clients plus de capacité et de flexibilité en interconnectivité pour les années à venir. 10 minutes left in the upper stage burn. L'étage supérieur cryogénique va fonctionner encore pendant 10 minutes. Alors, pendant que vous regardiez le film, vous avez vu qu'il y avait acquisition par la station de télémesure de Ascension. C'est une toute petite île qui appartient au Royaume-Uni. La NASA avait une station là jusqu'en 1989. Ils l'ont fermée et l'ESA a décidé de construire sa propre station. La Guyane a été choisie en 1964 parmi 14 possibilités, y compris l'Australie et la Scandinavie, lorsque la France cherchait à construire une nouvelle base. La France avait une base à Amaguir, en Algérie, de 1947 à 1967. Et ils y ont testé les moteurs à propulsion solide et liquide. Ils ont lancé leur premier missile. Le pilotage est calme et la propulsion est nominale. Ils ont également lancé Diamant, qui a emporté le premier satellite français en 1965 à partir de cette base. Et ici, en Guyane, ils ont trouvé tout ce qu'ils cherchaient. Les autorités françaises ont trouvé ce qu'elles cherchaient, c'est-à-dire un territoire avec une grande ouverture vers l'océan, peu peuplé. Il n'y a pas de cyclone ou d'ouragan ici. Les paramètres abordent son normaux, trajectoire nominale. Et nous allons revenir à ça. For now, another look at our first passenger, Intelsat 3070, with its CEO. Parlons maintenant de notre premier passager, Intelsat 37E. Thank you for joining us for the launch of Intelsat 37E, the fifth of our Intelsat EPIC high throughput satellites. Today's launch continues the EPIC journey that we began in January of 2016. We now have coverage from the southern cone of South America, across North America, the Atlantic, and all of the Eurasian and African continents. We're advancing the Intelsat EPIC technology. Intelsat 37E includes new innovations that further our performance goals. The Intelsat 37E satellite features power sharing technology to optimize performance for specific applications and regions. This satellite also includes steerable beams to support high performance mobility and government applications in Africa, Europe, and the Americas. Intelsat 37E is also the first high-throughput satellite to offer full beam interconnectivity between C, Ku, and Ka beams. This unique feature, enabled by the digital payload, underscores the flexibility and high performance our customers have come to expect from the Intelsat EPIC fleet. This is especially relevant to our community at 342 degrees east, which includes many broadband and network service providers that will transition from the Intelsat 901 satellite. These customers are using the higher performance to achieve better business economics
for applications ranging from 3G and 4G wireless network expansions to broadband for commercial shipping. On behalf of Intelsat's employees around the world, let me express sincere appreciation to our manufacturer Boeing and our launcher Arianespace for their commitment to delivering a successful program for Intelsat. I'd also like to recognize the Intelsat team for their work on Intelsat 37E. All of your colleagues are proud of your technical excellence and leadership. We appreciate and applaud your efforts to make Intelsat 37E a success. Finally, thank you to our customers for taking this epic journey with us. Go Intelsat 37E. All's well on board. And we have been picked up by our next downrange tracking station. Il y a eu acquisition par la station de télémesure suivante, Libreville, au Gabon. Jusqu'à Ariane 3, la dernière station de télémesure se trouvait en Côte d'Ivoire, à Akakro. Pour Ariane 4, acquisition de la télémesure lanceur par la station de Libreville, au Gabon. Pour Ariane 4, il fallait une nouvelle station qui a été installée à Libreville. La station reçoit des données de télémesure pendant 10 à 15 minutes et assiste à l'extinction de l'étage supérieur. Il y a eu une perte très courte de la télémesure. Aujourd'hui, c'est parfaitement normal, cela arrive. La propulsion de l'étage supérieur cryotechnique est toujours nominale. Cela est dû à la position du lanceur et donc il y a eu une courte perte de visibilité deux fois ce soir. Mais les données ne sont absolument pas perdues, elles sont stockées à bord. Tout est programmé dans les ordinateurs de bord. Il y a une unité centrale de télémesure qui enregistre les données et dès que le signal est rétabli, les signaux sont envoyés aux stations de télémesure. Reparlons maintenant d'Intelsat et des satellites EPIC. Il reste donc 5 minutes de propulsion de l'étage supérieur avec une extinction prévue à 25 minutes 28. Intelsat 37E est le 59e satellite d'Intelsat lancé par Arianespace. La relation entre les deux entreprises remonte à 1983 quand Arianespace a mis sur orbite Intelsat 507. Intelsat 37E est le 5e de la série EPIC NG et le 4e de cette série mis sur orbite par Arianespace. Le stage est calme, la trajectoire est nominale. Le lancement de ce soir arrive un an après le lancement du charter Intelsat en août 2016. Il s'agissait du vol VA. 4 minutes de propulsion de l'étage supérieur cryotechnique. Il s'agissait du vol Ariane 232, donc. Intelsat 37E a été construit par Boeing. C'est le 55e satellite construit par Boeing à être lancé par Arianespace. Le dernier, c'était Viasat 2 sur VA-237 en juin. Il y a encore deux satellites construits par Boeing qui seront lancés prochainement, Horizon 3A et Viasat 3F1. Nous sommes en direct depuis le Centre spatial guyanais,
le centre spatial commercial unique au monde opéré par Arianespace. Découvrons maintenant une vidéo sur la relation entre Intelsat et Arianespace qui parle également des premières manœuvres. Comme vous pouvez l'imaginer, les activités de préparation de cette mission se sont déroulées sans accroc, car la mission VA-239 est en quelque sorte une réplique de VA-232, lancée en août 2016 avec deux satellites similaires, Intelsat 33E et Intelsat 36. Voilà plus de 30 ans que Intelsat, Boeing, Arianespace et le CSG ont l'habitude de travailler ensemble. Et nous sommes bien entendu très fiers du travail effectué en commun pendant toutes ces années. Merci aux équipes Intelsat et Boeing pour leur confiance. Et nous espérons vous revoir bientôt à Kourou pour de nouvelles campagnes de lancement. Après la séparation du satellite, Boeing poursuivra sa mission jusqu'à la livraison à Intelsat. Ils procéderont à l'acquisition du satellite et l'amèneront sur une position orbitale de test. À la fin d'une série de tests, Intelsat 37E ira rejoindre sa position finale et commencera à fournir ses services. Encore une fois, cela a été un plaisir pour moi de travailler avec Boeing et Arianespace. C'est ma 8e mission avec Arianespace et j'espère qu'elle sera suivie de nombreux autres. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce grand jour, ainsi qu'à nos familles qui s'occupent de tout à la maison pendant que nous partons loin lancer des fusées. During the interview. Alors, pendant que vous regardiez le film, il y a eu acquisition par notre dernière station de télémesure à Malindi, au Kenya, sur la côte orientale de l'Afrique. Alors, Ariane a survolé l'Afrique en 6 minutes à peine. Alors, comme vous le voyez, on a fait des progrès depuis le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Alors, Ariane 5, comme Ariane 4, a eu besoin d'une nouvelle station. Le pilotage est calme. Une nouvelle station de télémesure a été ouverte pour le deuxième lancement d'Ariane 5 en 1997. Et cette station, eh bien, reçoit les données d'Ariane 5 le plus longtemps, pendant 3 heures après le décollage. C'est elle qui enregistre l'extinction de l'étage supérieur et la séparation des deux satellites. Alors, il reste une minute de propulsion de l'étage supérieur cryotechnique. Quelques chiffres. Ce lancement, c'est la 292e mission de la famille de lanceurs Ariane et la 266e mission d'un lanceur Ariane depuis le centre spatial guyanais. Intelsat 37E et BSAT 4A sont les 564e et 565e satellites lancés par Arianespace et les 192e et 193e lancés par Ariane 5. Le poids total de nos passagers aujourd'hui est de 10 tonnes. Chacun des deux satellites a une durée de vie de 15 ans. Bientôt, l'extinction du moteur de l'étage supérieur. On le voit ici à gauche. La DDO va le confirmer. Extinction de l'étage supérieur cryotechnique, trajectoire parfaitement nominale. Ariane 5 a atteint sa vitesse maximale, 9,3 km par seconde. Nous entrons donc dans la phase balistique. C'est la dernière phase de la mission, c'est la seule qui ne soit pas propulsée. Début de la manœuvre d'orientation au profit de la charge utilote Intelsat 37E. Bientôt, la séparation à 29 minutes 48. La vitesse sera de 8,7 km/s. Lorsque Silda sera séparée, c'est la structure qui permet de porter un deuxième passager, eh bien, la vitesse sera de 8,4 km/s. Et enfin, lorsque BSAT sera séparé, à 47 minutes et 14 secondes, la vitesse ne sera plus que de 6,4 km par seconde. Alors, il y a plusieurs postes d'observation ici, en Guyane française, autour de la base spatiale. Ils ont tous reçu le nom d'oiseaux qui peuplent le ciel guyanais, Carapa, Agami, Ibis. On a aussi parlé de Toucan, qui est le site le plus proche du pas de tir, à 2 km. C'est de là que, normalement, les invités de marque admirent le lancement. Il y a une personne en particulier qui doit être en train de suivre le lancement aujourd'hui. Il s'agit de Léoul Mesfin. C'est un lycéen éthiopien de 17 ans qui a gagné un concours, le concours Utelsat Star Awards. C'est un concours qui encourage les jeunes gens à s'intéresser aux technologies spatiales.
Il s'agissait pour eux d'écrire un texte afin d'imaginer le rôle joué par les technologies satellitaires pour l'avenir de l'Afrique. Et fin de la manœuvre d'orientation au profit d'Intelsat 37E, trajectoire nominale. C'est Léoul qui a gagné ce concours, bravo à lui. Alors maintenant, nous entrons dans la phase balistique, ce qui ne signifie pas que rien ne se passe. Le composite va entamer une série de manœuvres, une vingtaine d'opérations, qui peuvent prendre entre quelques secondes et quelques minutes. Alors la raison de ces manœuvres, c'est qu'il faut séparer le premier satellite dans une direction, puis le SILDA dans une deuxième direction, et enfin le deuxième satellite dans une troisième direction. Le système de contrôle de l'attitude d'Ariane utilise de petits propulseurs pour mener à bien ces manœuvres. Vous allez peut-être les voir apparaître à l'écran. Vous voyez l'animation. Alors il y a 12 petits propulseurs en tout, 4 groupes de 3 à l'extérieur de l'étage supérieur. Et ces propulseurs utilisent de l'hydrogène sous forme gazeuse pour fournir la poussée. Alors il y a un autre endroit qui est plein d'activités aujourd'hui, c'est le CVI, le Centre Visuel Immédiat. Et les équipes ont tous les moyens pour recevoir, traiter, enregistrer et analyser toutes les données qui leur parviennent des stations au sol le long de la trajectoire d'Ariane. Je vous ai dit qu'il y avait des collines ici près du centre, ça permet la télémesure. Et donc, les équipes sont en train de suivre et d'analyser les données qui leur parviennent, ce qui permet d'actualiser le statut du lanceur ici, au centre de Jupiter. Alors, très bientôt, la confirmation de la directrice d'opération de la séparation du premier passager, dans quelques secondes. Alors, c'est un moment de grande concentration. Alors, les équipes sont habituées à ces procédures, bien sûr, mais la concentration est palpable. Tous les yeux sont rivés sur les écrans d'ordinateur et tout le monde a un téléphone vissé sur l'oreille dans l'attente de la confirmation de la séparation du satellite. Ça devrait intervenir d'ici 10 secondes. La DDO va nous le confirmer très prochainement. Regardez l'animation. And there. On attend la confirmation. Séparation Intelsat 37E. Et voilà, c'est la première bonne nouvelle de la soirée. La séparation réussie de notre premier passager, l'Intelsat 37E, pile à l'heure, au-dessus de la côte orientale de l'Afrique. Tout le monde a l'air satisfait. Alors vous voyez qu'ici au centre Jupiter, les équipes attendent avant d'applaudir puisque la mission n'est pas encore terminée. Il va falloir aussi séparer notre dernier passager, Bessat 4A. Alors les premières opérations en orbite après séparation, acquisition des données par la station de Kumsan en Corée du Sud dans 27 minutes, le début de l'orbite de transfert dans 2 jours, qui durera 12 jours. On voit là la dérive du satellite qui va se rapprocher de son orbite. Début du déploiement et acquisition, essai en orbite, puis enfin la dérive vers la longitude opérationnelle 342 degrés est. La prochaine étape, c'est la séparation du SILDA. Alors, quelques mots sur Intelsat. L'entreprise a été créée en 1964, Early Bird. Intelsat 1, c'est le premier satellite lancé en 1965, et c'était le premier satellite de communication commerciale au monde. Après 40 ans d'existence en tant qu'organisation intergouvernementale, Intelsat a été privatisé en 2001. Intelsat a signé des contrats de services de lancement avec Arianespace avant même que l'entreprise ne soit créée il y a 40 ans. Alors maintenant, le SILDA, là, le système de lancement double. On la voit ici à gauche. Ariane 5, c'est le seul lanceur commercial capable d'emporter 2 satellites lourds. Il faut donc un SILDA qui permet d'emporter un deuxième satellite. Fin de la manœuvre d'orientation au profit du SILDA. Et voilà, la séparation du SILDA
alors prévu. Séparation du système lancement double Ariane. Et on voit maintenant BSAT 4A qui apparaît, qui devrait être séparé d'ici 15 minutes. Alors BSAT, la Broadcasting Satellite System Corporation, son siège est à Tokyo, 84 employés, l'actionnaire majoritaire est NHK, l'entreprise de télédiffusion japonaise. BSAT a confié à Space Systems Loral la construction de BSAT 4A en 2015. BSAT 4A est le 9e satellite lancé par Arianespace pour l'opérateur japonais. Arianespace a lancé tous les satellites de BSAT Corporation depuis sa création en 1993. Le premier satellite, BSAT 1, a été construit par Hughes, repris depuis par Boeing, en 1994, 1995, et Arianespace l'a lancé en 1997. BSAT 4A est aussi le 30e service, contrat de service de lancement, pardon, pour un satellite géostationnaire commercial remporté par Arianespace au Japon. Arianespace a lancé 29 satellites en orbite de transfert géostationnaire pour les opérateurs satellites du Japon et détient actuellement à peu près les trois quarts des parts de marché au Japon. Trois satellites à être lancés encore pour le Japon. Donc il y a BSAT 4A. Dans le cadre d'un contrat clé en main, c'est le 62e satellite construit par SSL ou ses prédécesseurs à être lancé par Arianespace. C'est aussi le 64e satellite lancé qui soit basé sur une plateforme SSL. Le dernier satellite SSL lancé par Arianespace était en fait une paire de satellites, Star One D1 et JCSat 15, tous les deux construits par SSL. Ils ont été lancés sur un charter SSL en décembre de l'année dernière, c'était le vol VA-234. Les deux constructeurs, ce soir, ont effectué des charters avec nous récemment. Nous nous trouvons dans la dernière phase de la mission, la phase balistique, plus que 12 minutes avant la séparation de notre deuxième passager. Tout se passe comme prévu. Manœuvre d'orientation en cours est parfaitement nominale. Alors, il faut séparer les deux satellites et le SILDA dans trois différentes directions, mais aussi à trois différentes altitudes. Intelsat a été séparé à 1412 km d'altitude, puis le SILDA à 1848 km d'altitude, et enfin BSAT, lui, partira dans une troisième direction et à une altitude de 5647 km. Tout cela, bien sûr, pour éviter tout risque de collision. Alors, quelques mots sur SSL. En 1957, l'entreprise a été fondée dans la baie de San Francisco. C'était une division de Philco. Et l'entreprise a commencé à lancer des satellites en 1960. L'année suivante, l'entreprise a été rachetée par Ford et rebaptisée Ford Aerospace. Enfin, en 1990, cette entreprise a été reprise par la corporation Loral et rebaptisée SSL. SSL est l'un des premiers constructeurs de satellites commerciaux au monde. Alors, vous vous souvenez de la masse au décollage, 776 tonnes. Eh bien, qu'est-ce qu'il en reste maintenant? Alors, le véhicule a perdu 240 tonnes de carburant dans chaque booster. Et puis, les 175 tonnes de carburant ont été aussi
utilisés et 14 tonnes de masse sèche ont été perdues. Le premier passager pèse 6,4 tonnes, le Silda 500 kg. Donc il nous reste l'étage supérieur sans carburant, 4 tonnes, la case à équipement, 1 tonne, BSAT qui pèse 3,5 tonnes, son adaptateur 140 kg, donc en tout à peu près 8,5 tonnes. Donc par rapport à 776 tonnes au décollage. Alors maintenant, quelques images de BSAT et nous serons de retour. BSAT est le principal opérateur de satellites de télédiffusion au Japon. Nous offrons des services de télévision numérique HDTV en bande 12 GHz BSS à travers tout le Japon grâce aux satellites BSAT 3A, 3B et 3C. Disposant de 24 répéteurs en bande KU, BSAT 4A succédera à BSAT 3A et renforcera la famille actuelle des BSAT 3 afin d'offrir un service robuste et fiable, entièrement redondant. De plus, BSAT 4A sera utilisé pour offrir des services Ultra HDTV 4K 8K. Le lancement d'un service régulier en 4K 8K est prévu pour la fin 2018. Notre premier satellite, BSAT 1A, a été lancé depuis Kourou en 1997. Depuis cette date, tous les satellites BSAT ont été lancés par Arianespace. Ceci est ma troisième campagne de lancement. Je suis toujours impressionné par la qualité de l'organisation et l'atmosphère amicale du travail en équipe chez Arianespace et au CSG. BSAT 4A est le premier satellite que nous avons acheté à SSL. Nous avons été très satisfaits de leur solide expérience et de leur technologie de pointe. Nous prévoyons que ce satellite jouera un rôle important pour le service 4K 8K au Japon. Back with you again. Grant Gould there. Separation of BSAT in about. Alors, BSAT sera séparé d'ici 9 minutes. En 2017 est encore une année bien remplie pour Arianespace, et l'une des raisons, c'est que les lancements ici au Centre spatial guyanais sont de plus en plus rapprochés, puisque eh bien, les périodes entre chaque lancement sont de moins de 15 jours hein, entre la plupart des 6 lancements qui ont eu lieu pendant le premier semestre de l'année. Et si on regarde ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois, eh bien Arianespace, pour la première fois, a effectué 14 lancements au cours de cette période, entre le 15 septembre 2016, ça c'était le 7e vol de Vega, et ce soir. Donc 2 lancements supplémentaires prévus avant la fin de l'année, une mission Vega en novembre et une autre mission Ariane en décembre. Ce sera la 3e mission Vega et la 6e mission Ariane de l'année. Et voilà pour 2017. Alors bon à savoir, parmi les noms proposés... Début de la 4e manœuvre d'orientation au profit de BSAT 4A. Parmi les noms proposés pour ce qui allait devenir le programme Ariane, il y avait Phoenix, Ganymède, Vega... Vega, à l'époque, était le nom d'une bière belge. Alors maintenant, le nom de Vega vient de l'italien, c'est-à-dire Vettore Europeo di Generazione Avanzata, ce qui signifie véhicule européen de nouvelle génération. La case à équipement, alors c'est le cercle blanc ici, derrière le satellite, c'est en quelque sorte le cockpit du lancement, puisque la case à équipement orchestre toutes les commandes du vol, les ordres de pilotage, les calculateurs, les systèmes électroniques. Et tous les équipements sont en double. Il y a toujours une solution de rechange en cas de problème, de manière à ce que la mission puisse se poursuivre. La case d'équipement pèse à peu près 1 tonne, 970 kg. Alors le dernier film maintenant, quelques informations sur BSAT et SSL. Je suis ici depuis plusieurs semaines pour préparer notre satellite BSAT 4A pour le lancement. BSAT 4A est le premier programme de satellite de SSL pour la BSAT Corporation du Japon. Il s'agit d'un contrat de livraison en orbite dans lequel SSL est responsable non seulement du satellite et des mises à jour des ascensions pour l'intégration de BSAT au reste de la flotte, mais également des services de lancement et de leur gestion. SSL fournit des services de lancement à de nombreux clients depuis le lancement de NSTAR A, lancé en août 1995 sur une Ariane 44P d'Arianespace. Beaucoup de choses ont changé depuis notre premier contrat de livraison en orbite, mais beaucoup de choses ne changent pas. Comme par exemple, la capacité de SSL de fournir des solutions satellites clés en main et groupées, répondant aux besoins de nos clients et incluant le banc d'essai satellite et des services de lancement.
Une autre chose qui n'a pas changé depuis le premier contrat de livraison est l'excellente relation qui existe entre SSL et Arianespace. Il s'agit du 64e satellite construit par SSL et lancé par un lanceur Ariane, depuis le premier en 1983 sur une Ariane 1 pour Intelsat, qui est d'ailleurs notre copassager sur ce vol. Un grand merci également à Bessat Corporation d'avoir confié cette mission si importante à SSL. Travailler pour vous ici au centre de lancement de Kourou a été un vrai plaisir. You heard Grant Gould there. He's qualified to talk about the changes here. Alors, on vient entendre Grant Gould, qui connaît très bien Arianespace et le centre spatial guyanais. Je crois que ça fait bien longtemps qu'il vient ici. Alors, en direct, le vol VA-239. Si vous nous rejoignez, nous venons de séparer notre premier passager. Le deuxième passager devrait être séparé d'ici 5 minutes. Alors, après la séparation, les satellites vont aller en orbite de transfert géostationnaire. Et ainsi s'achèvera la mission d'Ariane. Mais la vie ne fera que commencer pour ses passagers. Donc, Ariane met les satellites dans une orbite de transfert, puis les satellites atteignent leur dernière position grâce à leur propre propulsion. Et pour arriver à cette position finale, il faut parfois utiliser beaucoup de carburant embarqué. Et ce carburant, c'est à la fois la ligne de vie et la durée de vie des satellites. Les satellites de ce soir vont vivre jusqu'à 15 ans. Parfois, ça peut être plus. C'est pourquoi il est très important d'économiser du carburant. Et pour ce faire, comme ce soir, eh bien, on va optimiser la trajectoire. Ariane est capable d'injecter les deux satellites le plus près possible de leurs orbites finales, et ça, c'est possible grâce aux performances exceptionnelles d'Ariane 5. Nous lançons ce soir 10 tonnes, donc on est très proche de la limite, mais on peut utiliser cette marge de performance pour réduire... pour réduire l'inclinaison de l'orbite visée. Alors, du point de vue du satellite, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça veut dire que les clients n'auront pas besoin d'utiliser trop de carburant pour atteindre l'orbite géosynchrone. Ça permet d'économiser du carburant et, évidemment, ça prolonge la durée de service du satellite. Alors, une autre chose à savoir qui est intéressante, tous les systèmes dont on a parlé, les systèmes énergétiques, le carburant, les batteries, eh bien, tous ces systèmes ont une date de péremption. Si on ne les utilise pas, si on les utilise au-delà, ça ne fonctionne pas. C'est un peu le même système pour les avions, pour les voitures et bien sûr pour le beurre dans votre frigo. Et tous les systèmes d'Ariane ont une date de péremption, les turbopompes, les vis, les sangles aussi qui permettent d'accrocher, de maintenir les satellites sous la coiffe, puisque ces sangles utilisent un système de ressort dont la tension pourrait s'amenuiser avec le temps. On a pensé à tout. Nous nous trouvons toujours dans la phase balistique, et comme nous avons quelques instants, nous allons passer à notre question du jour, notre quiz. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. C'est la question numéro 239. Ce n'est pas la première fois que Boeing et SSL ont volé ensemble sur un lancement Ariane. Quand cela s'est-il produit la dernière fois? Je répète la question, question numéro 239. Les deux constructeurs Boeing et SSL ont déjà volé ensemble sur Ariane. Quand cela s'est-il produit la dernière fois? Quels étaient les deux satellites? Alors, un indice, c'est arrivé une seule fois. Et deuxième indice, ce n'était pas il y a si longtemps. Nous vous donnerons la réponse dans quelques moments. Pendant ce temps, plus que deux minutes avant les séparations de BSAT, alors vous le savez peut-être, l'Europe est en train de développer le successeur d'Ariane 5. Cette décision a été prise par le Conseil au niveau ministériel de l'Agence spatiale européenne en décembre 2014. Ariane 6 va être un lanceur plus adapté aux besoins du marché et il devrait coûter deux fois moins qu'Ariane 5 par kilo. Ce sera une fusée de trois étages avec deux versions, une version à deux boosters, une version à quatre boosters. Ariane 62 sera la version institutionnelle qui pourra emporter 5 tonnes en orbite de transfert géostationnaire. L'autre version, Ariane 64, sera la version commerciale qui pourra emporter 10 tonnes et demie en orbite de transfert géostationnaire. Alors, le premier lancement aura lieu en 2020 et les travaux ont bien commencé ici sur le segment sol. Le nouveau pas de tir est deux fois et demi plus gros que celui du Soyouz. Il sera situé entre le pas de tir de Soyouz et d'Ariane 5. Il y aura aussi une nouvelle version du lanceur léger Vega, le Vega C, consolidé, qui devrait faire son vol inaugural l'année prochaine.
Alors, nous attendons la confirmation de la séparation du second passager. La concentration atteint son comble ici, au centre Jupiter. Des équipes ont travaillé pendant des années pour réussir cette mission. Et donc tout le monde attend la nouvelle de la séparation, on attend la confirmation de la DDO. Séparation BSAT-4A. On entend les applaudissements, on voit les sourires, les poignées de main. C'est la dernière bonne nouvelle de la soirée. Ariane 5 a séparé son deuxième passager BSAT-4A au-dessus de l'océan Indien. Les deux satellites maintenant vont utiliser un mode de spin transverse. On voit maintenant le changement d'ambiance ici à Jupiter. Beaucoup de joie partout sur le centre spatial, à tous les points d'observation. Tout le monde suit avec attention le lanceur et les satellites. Le travail ne fait que commencer aux différentes stations au sol avec Intelsat et BSAT, ainsi que dans d'autres sites tout autour du monde où les satellites sont suivis de près. Alors les premières opérations en orbite de BSAT, acquisition dans 6 minutes à Kumsan également, en Corée du Sud. Ensuite, 2 minutes plus tard, acquisition à Urala, dans la station australienne d'Urala. On voit le satellite s'éloigner. Déploiement des panneaux solaires demain, première acquisition du Soleil, allumage du moteur d'apogée dans 25 heures, et puis l'allumage des moteurs d'apogée 2 à 4. Le quatrième jour, ce sera le 30 septembre. Puis la correction de trajectoire et la dérive entre les jours 7 et 9, les 3 au 5 octobre. Et puis enfin, l'arrivée à la fenêtre d'essai en orbite le 7 octobre. Voilà beaucoup de bonnes nouvelles. Nous attendons les discours post-lancement. Le pupitre est en train d'être installé pour les intervenants. Il y aura d'abord Luce Fabreguet d'Ariane Espace, puis Todd Shield d'Intelsat, Ron Peterson de Boeing et Lincoln Day de SSL. Certains de ces personnes sont du côté VIP, ici à Jupiter, mais Luce Fabreguet travaille à l'intérieur dans ce qu'on appelle le bocal. Elle va bientôt nous rejoindre sur le pupitre. En attendant, la réponse à la question quiz. Ce n'est pas la première fois que Boeing et SSL ont volé ensemble sur un vol Ariane Espace. Quand est-ce que cela a eu lieu? Eh bien, c'était le vol VA-232 le 24 août 2016. C'était le charter Intelsat. Et les deux satellites étaient Intelsat 33E, construit par Boeing, et Intelsat 36, construit par SSL. Alors, si vous avez trouvé la date, le nombre du vol ou les satellites, vous méritez vous aussi quelques applaudissements. Alors, en attendant, dans l'espace, que se passe-t-il avec Ariane 5? Eh bien, après la séparation de notre deuxième passager, le reste du composite va entrer dans ce qu'on appelle la passivation. Il va s'agir de vider le réservoir d'oxygène liquide et le réservoir d'hydrogène liquide et le reste du carburant. Et cela va avoir lieu à une altitude beaucoup plus élevée, entre 7000 et 9000 km. Et ça représente la fin, la toute fin de la mission d'Ariane. Et nous ne pourrons pas voir cette étape. Ce que l'on va voir bientôt, eh bien, c'est Luce Fabreguet qui va nous rejoindre, qui va gagner le pupitre pour entamer la traditionnelle série de discours post-lancement. Les satellites ont été séparés alors que le lanceur était à une vitesse à peu près de 9 km seconde. C'est assez proche de la vitesse de rotation de la Terre. Vous savez que la Terre tourne à 10 km par seconde. Et une fois que les satellites sont séparés par Ariane,
Ils atteignent cette vitesse grâce à leur moteur. Ce sont les premières opérations qui ont lieu quelques jours après la séparation. Et Luce Fabregat s'apprête à prendre la parole au pupitre. Ladies and gentlemen, distinguished guests. Mesdames et messieurs, chers invités, Ariane Espace est ravie d'annoncer que Intelsat 37E et BSAT 4A ont été placés comme prévu sur l'orbite de transfert géostationnaire. Pour la cinquième fois cette année et la 81e fois d'affilée, le succès est au rendez-vous pour Ariane 5 et ses clients. Bravo. Ce soir, Ariane 5 a mis sur orbite les satellites de deux clients majeurs avec qui nous entretenons une relation très forte au service des télécommunications. En position haute, Intelsat 37E est le 59e satellite lancé par Ariane Espace pour l'opérateur historique Intelsat depuis 1983. Cela représente 50% de tous les satellites Intelsat en opération aujourd'hui. Je voudrais remercier Stephen Spengler pour ce partenariat de longue date. Avant le vol de ce soir, il y a eu deux autres lancements dédiés à Intelsat l'an dernier. Avec trois satellites Intelsat de plus dans notre carnet de commandes, nous allons très certainement continuer sur la voie du succès. Félicitations également à notre partenaire de longue date, Boeing Space Systems, qui a construit Intelsat 37E. Avec 55 satellites construits par Boeing, mis en orbite depuis 1987 par Ariane Espace, et deux de plus dans notre carnet de commandes, nous allons très certainement continuer à partager de nombreux succès à l'avenir. So many thanks to Boeing for your trust. Merci à Boeing de votre confiance. In the lower position, en position basse, BSAT 4A. Congratulations to the builder, félicitations au constructeur, SSL. Avec ce lancement, ce sont 64 satellites basés sur une plateforme SSL qui ont été lancés et trois autres sont dans notre carnet de commandes. Un grand merci donc à John Celli et l'équipe SSL de Palo Alto, ainsi qu'à Lincoln Day, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. BSAT 4A est le 9e satellite confié par l'opérateur japonais BSAT à Ariane Espace depuis 1990. Cela signifie que 100% des satellites BSAT en fonctionnement actuellement ont été lancés par Ariane Espace. C'est difficile de faire mieux. Arigato à BSAT. Espérons que ce nouveau succès va ouvrir la voie à de nouvelles opportunités. Un grand merci à BSAT pour votre confiance. Ariane Espace est fière de sa relation privilégiée avec le Japon. Depuis 1989, Ariane Espace a lancé un total de 29 satellites GTO pour des opérateurs japonais, ce qui représente plus de 75% du marché GEO au Japon. Mesdames et messieurs, ce 9e succès de l'année, le 5e avec une Ariane 5, marque également le 81e succès d'affilée de notre lanceur lourd. Je voudrais féliciter tous nos partenaires pour le succès de ce soir, l'ESA et tous les États membres du programme Ariane, dont le soutien est essentiel. Ariane Group, maître d'œuvre d'Ariane 5 et actionnaire principal d'Ariane Espace, le CNES, autorité de conception d'Ariane 5 et notre partenaire au quotidien ici au CSG, nos prestataires en Guyane et tous les employés du centre spatial. Et bien sûr, je voudrais remercier tous mes collègues d'Ariane Espace pour ce nouveau succès d'un lanceur Ariane. Le 292e lancement pour la famille de lanceurs d'Ariane Espace. Nous avons prévu de lancer encore deux satellites pour bien conclure cette année fructueuse. Et je donne maintenant la parole à nos clients et partenaires.
Okay, good evening, everyone. Thank you. Bonsoir à tous. C'était vraiment fantastique. Je suis vraiment très heureux et très soulagé. Notre voyage a commencé il y a 5 ans lorsque nous avons décidé de lancer des satellites de très haut débit avec une architecture ouverte. À cette époque, Boeing et Arianespace, depuis cette époque, Boeing et Arianespace nous soutiennent au nom des employés dans le monde entier. Je voudrais vraiment remercier toutes les équipes de Boeing et d'Arianespace de leur soutien et qui a permis le succès de cette mission de ce soir. Je voudrais également remercier toutes les équipes d'Intelsat pour leur excellent travail, pour leur leadership et pour tout ce qui a permis de ce succès de ce soir. Notre flotte EPIC a été conçue pour transformer la technologie satellitaire et permettre la croissance. Intelsat 37E poursuit sur cette voie en fournissant de nouvelles innovations et de nouvelles applications pour nos clients. Merci encore une fois à nos clients qui partagent avec nous cette journée fantastique et cette aventure épique. Encore une fois, je souhaite beaucoup de succès à Intelsat 37E et merci à tous. In a row. Congratulations. 81 lancements de suite. Félicitations. Bravo. Je suis Lincoln Day et je travaille à Boeing pour la campagne de lancement Intelsat 37E. Donc, félicitations à tous ceux qui ont participé à ce lancement VA-239. Et merci à notre président récemment parti en retraite, M. Shelley. Merci à tous ceux qui ont participé à la construction de ce satellite Intelsat 37E. Ça a été mon plaisir de travailler avec cette équipe, des ingénieurs extrêmement qualifiés. Et j'aimerais remercier toute l'équipe d'ingénieurs avec qui j'ai travaillé au cours des dernières années. On a une très bonne relation et nous avons pu mettre sur pied tous ces projets. C'est le premier satellite 8K qui va fournir des services de télévision, notamment pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, ainsi que les Jeux Paralympiques. Alors, j'aimerais aussi féliciter notre autre passager, BSAT, et nous leur souhaitons beaucoup de réussite à l'avenir. Et enfin, merci beaucoup à Arianespace. C'est extrêmement impressionnant, 81 lancements réussis de suite. C'est la 64e mission que nous avons faite avec Arianespace. Ça a commencé en 1983, il y a 35 ans, avec le vol 501. Merci pour votre excellence. Merci pour cette coopération. Merci à tous. Nous sommes heureux de travailler avec Ariane. Merci pour tout ce travail. Félicitations à tous. Merci beaucoup. Bonsoir, messieurs, dames. Je m'appelle Ron Pedersen. Et je suis de la société Boeing. Bon, je parle un peu français, mais je vais quand même faire mes remarques en anglais. Sorry. Félicitations à notre client Intelsat et à l'opérateur de lancement Arianespace pour cet incroyable décollage, suivi de la séparation d'Intelsat 37E et du satellite BSAT 4A qui l'accompagnait. Félicitations à BSAT et à SSL. C'était très chouette, très bien de travailler avec vous. Il s'agit du 4e satellite Intelsat EPIC Next Generation construit par Boeing pour son client de longue date, Intelsat. Cela fait plus de 50 ans que Boeing et Intelsat travaillent et innovent ensemble.
Ça fait 30 ans que je travaille ici, et donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir travailler avec Intelsat. Nous sommes fiers que Boeing et ses prédécesseurs aient construit plus de 40 satellites pour Intelsat, dont plus de 10 encore en service, construits par Boeing. Alors, sur les 4 satellites EPIC que nous avons construits pour Intelsat, 3 sont en orbite et fournissent des services aux clients d'Intelsat. Le satellite Intelsat 37E lancé aujourd'hui contient la charge utile numérique de Boeing. Boeing est à l'avant-garde de la transformation numérique du secteur des satellites avec sa technologie de charge utile numérique. Cette technologie de charge utile numérique donne à nos clients la flexibilité qui leur permet de répondre à des pics de demande de connectivité au moment et à l'endroit voulu. Ça leur permet aussi de s'adapter à toute évolution de leurs besoins ou missions. La plateforme Intelsat 37E est un satellite Boeing 702 de puissance moyenne, qualifié pour le vol, doté d'une architecture et de capacités flexibles. Merci, Arianespace, merci pour ce nouveau lancement réussi. Nous avons désormais effectué plus de 50 lancements ensemble. Merci à l'équipe Boeing. J'aimerais aussi parler de José Medina, Paul Watts et Grant Franson. Bravo à vous. Vous avez travaillé très dur pour cette campagne et vous étiez dévoué à ce programme. Encore merci à Intelsat d'avoir fait confiance à Boeing pour lui fournir un produit fiable et de qualité. Merci. Arigato. Thanks to all. Merci Ron. Merci à tous et encore une fois, félicitations à tous pour ce nouveau succès. Nous serons de retour le 7 novembre avec Vega pour la 3e mission de l'année avec notre lanceur léger. Merci de votre attention et très bonne soirée à vous. Warm words and voilà pour ces discours des clients. Un lancement couronné de succès. Et voilà, notre retransmission en direct de Kourou touche à sa fin. Encore quelques images et une dernière rediffusion du lancement avant de nous quitter. C'est le 9e lancement de l'année pour Arianespace, un lancement réussi, donc 81 lancements réussis de suite pour le lanceur Ariane 5, qui décidément n'en finit pas de battre des records. Bravo à tous ceux qui ont rendu cette mission possible. De nouveaux satellites s'élancent dans l'espace pour fournir de nouveaux services et de nouvelles technologies dans le monde entier. Intelsat 37E et BSAT 4A. Notre prochain lancement aura lieu à la mi-novembre. Comme l'a dit Luce Fabregat, ce sera le 3e lancement Vega de l'année. À ne manquer sous aucun prétexte, nous y serons et nous espérons que vous nous rejoindrez. D'ici là, au nom de toutes les équipes présentes, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Décollage.